Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. On va faire une vidéo très rapide. Ça n'a pas le but d'être un test des AirPods que vous voyez, j'ai dans les oreilles, etc. C'est juste pour vous parler rapidement de tout ce que je vais mettre dans l'article et essayer de le jeter là en vidéo de manière assez simple. Voilà tout simplement à quoi ressemblent les AirPods. Alors vous avez dû voir une chier de photos, une chier de vidéos, etc. Des tests dans tous les sens, encore une fois. Sur moi, voilà à quoi ça ressemble. Je trouve que ça va bien avec mes petites oreilles, que le truc est bien intégré dans les oreilles, justement, qui dépasse pas trop, il part pas en biais comme on peut le voir sur certaines vidéos. Il tient bien, si on secoue la tête, il n'y a pas de souci, le truc bouge pas. Je suis persuadé que je peux aller courir avec et que ça ne bougera pas. Ce que j'étais en train d'écrire dans l'article au moment où juste avant de faire cette vidéo, c'est que en l'utilisant sur l'ordinateur ou même sur le téléphone, je pense, mais là je l'ai configuré sur l'iMac en même temps que je tapais. C'est juste bluffant parce qu'on ne les sent vraiment pas. C'est comme s'il n'y avait rien du tout dans vos oreilles et pourtant du son arrive dans les oreilles. Il y a ce petit côté vraiment magique, perturbant même parfois parce que le son arrive quand même d'assez bonne qualité. Le son des AirPods, c'est vraiment pas dégueu, hein. C'est pas du BO, etc. Mais pour des petits écouteurs comme ça, vraiment le son, je le trouve très très bon. On revient sur un article de Reddit, je crois, qui était le symbole du juste nécessaire selon Apple, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire des écouteurs à petit prix, entre guillemets, ce qui coûte cher, là, c'est la techno de sans fil, etc. C'est pas réellement la techno audio. Ils ont fait des écouteurs qui sont bon marché, très bon marché à produire et qui ont un son très correct, etc. Sans aller dans des trucs totalement décadents, etc. C'est vraiment décadent? Non, c'est pas le bon mot, bref, on s'en fout. Sans aller dans des trucs totalement délirants et ça fait ces écouteurs-là. Donc voilà à quoi ça ressemble de côté. Voilà à quoi ça ressemble de face. Voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté, et je vous montre pas de dos, on s'en fout puisque vous ne le verrez pas. Le principe du AirPods est super simple, quand vous le mettez dans l'oreille, vous pouvez l'utiliser un AirPods ou deux AirPods en même temps, c'est important, personne ne le dit dans les tests, je comprends pas les gens qui font les tests, bref, vous pouvez l'utiliser avec un seul truc, du moment que vous allez mettre un écouteur dans vos oreilles, si vous avez un appel, l'appel va passer dessus automatiquement, le téléphone sait automatiquement gérer tout ça. Vous pouvez très bien en mettre un seul et cliquer sur play sur votre téléphone et n'écouter de la musique que dans un seul truc et vous en servir d'oreillette, c'est un point que moi je trouvais important là-dessus. Le micro est en bas, il y a des micros d'ambiance, etc. un petit peu partout, etc. Bref, toute la partie technique, on ne va pas foncer dedans, vous la trouverez sur Internet. Mais ça peut s'utiliser un seul ou l'autre. Quand vous n'en utilisez qu'un seul, l'intégration est super bien faite dans le widget batterie. Ça va vous afficher la batterie du truc que vous avez dans l'oreille, la batterie de celui qui est resté dans la coque et l'état de la batterie de la coque rechargeable, de recharge plutôt. Quand vous mettez les deux dans les oreilles, ça vous affiche l'autonomie des deux. Et l'autonomie de la coque, ça n'affiche pas l'autonomie de la coque. Et quand vous les allumez, quand vous ouvrez la coque, ça affiche l'autonomie des deux trucs. Ça, c'est top, vraiment, c'est pratique. Et il y a ce petit côté magique du hop, j'ouvre ma boîte, je mets mes écouteurs. Et paf, c'est juste beau. Vraiment, dans ce moment-là, je rêverais d'avoir un 90 mm macro pour vous faire des belles photos parce que c'est magnifique. Et sur les photos et sur les vidéos, ça rend pas. C'est pour ça que je le filme même pas. Parce que réellement, ces écouteurs sont splendide, splendide. Vous ouvrez la boîte, je sais pas quoi vous dire. On dirait un truc futuriste, c'est magnifique. La prise en main est vraiment cool aussi. C'est tout léger. Alors effectivement, ça se perd sans aucun problème, mais parce que réellement c'est léger, mais ça donne une sensation de trucs futuristes. Alors les mecs l'ont testé, les ont mis dans la flotte, etc. Ça tient dans l'eau, ça tient immergé. Je trouve ça génial. Je vous ferai pas le test, mais je suis très très fan de ces AirPods. Et là, quand vous les mettez dans les oreilles, ça fait un trum sur les deux si vous avez mis les deux en même temps, ou sur un si vous n'en mettez qu'un, etc. Pour vous dire, hey, je suis dans l'oreille, je suis allumé, c'est bon, le signal et la connexion est effectuée. Et ça, c'est top, moumoute. Quoi vous dire de plus? Rien du tout, en fait. C'était juste pour vous montrer physiquement à quoi ça ressemblait et vous parler rapidement de tout ça, vous dire que l'un marchait tout seul ou l'autre, etc. Et puis, Z, je vous fais des bisous, à plus tard.